Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo pour la lecture orthographe. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars. Comme tous les mardis, nous allons faire les exercices liés à la fiche de son. Je te rappelle que la fiche de son que nous avons découverte hier, enfin redécouverte plutôt, c'était un bilan sur toutes les valeurs de la lettre A. Je te conseille ce matin, ou cet après-midi, avant de faire les exercices, de relire une fois cette fiche de son. Si tu n'as pas la fiche de son avec toi parce que tes parents n'ont pas pu l'imprimer ou alors qu'ils ne sont pas passés les récupérer à la cabane, tu peux repasser la vidéo d'hier et reprendre en fait toutes les valeurs pardon, de la lettre A. Voilà, je te laisse donc faire pause, reprendre ce qu'on a lu hier et ensuite tu pourras passer à la suite pour faire les exercices. Deux solutions aujourd'hui. Soit tu as avec toi ta fiche d'exercice sur les valeurs de la lettre A et il y a écrit tout en haut exercice S24. Soit tes parents sont allés les récupérer avec le dossier à la cabane, soit ils l'ont imprimé à la maison. Une dernière solution, enfin, c'est que tu n'as pas cette fiche. Dans ces cas-là, il va falloir que tu écrives tes réponses au cahier de brouillon. C'est parti. Dans l'exercice numéro 1, tu vas recopier seulement les mots où tu entends le son est. Soit tu le fais sur la fiche, soit tu recopies au cahier de brouillon. Attention, les mots qu'on cherche, c'est ceux dans lesquels on entend le son est. Je te laisse faire pause, recopier, et ensuite je te donne la réponse. Si tu as terminé, nous allons d'abord lire ensemble, essayer de lire en même temps que moi les mots qui t'étaient proposés. Nous y allons. 1. Château, eau, fer, il aime, une châtaigne, un essai, des graines, un fantôme. Un fantôme. Les mots dans lesquels on entendait le son est, c'était fer, il aime, une châtaigne, un essai des graines. Excuse-moi, j'ai coupé un petit peu vite. Pour l'explication, le son est ici, tu as remarqué qu'il s'écrivait avec un A et un I. A et I, ça fait le son est. C'est et des graines. Cette fois, on peut passer à la suite. Pour faire l'exercice suivant, tu vas devoir lire les mots qui te sont proposés et ne recopier que ceux dans lesquels tu entends le son O. Tu les recopies soit sur ta fiche, soit sur ton cahier de brouillon. Attention, sur la fiche, ils disent ils ont laissé 5 emplacements, mais en fait, il n'y en a que 4 mots dans lesquels on entend O. Je te laisse faire pause, travailler, trouver les 4 mots, et ensuite on se retrouve ensemble pour la correction. Si tu as eu le temps de faire ton exercice, nous allons d'abord lire ensemble les mots. Donc, lis vraiment en même temps que moi. 1. Chapeau. Autour. Vraiment. Un seau. Des chevaux. Des patins. Un chaton. Grand. Les mots qu'il fallait recopier, ce sont les suivants. Château. Autour. Un seau. Des chevaux. Le son O, il est dans château avec EAU. Dans autour, c'est la lettre A et la lettre U qui font le son O. Un seau, le A et le U. Des chevaux, A et U. L'exercice 3, comme d'habitude, tu vas devoir écrire les mots sous les dessins. La première fois, tu n'as pas le droit de regarder ta fiche de mots que je t'ai donnée hier lundi. Donc, tu vas devoir essayer d'écrire en utilisant ta mémoire. D'abord, il va falloir que tu écrives le mot chocolat, du chocolat. Ensuite, le mot orange, une lampe, une chaussette, un gâteau. Un cadeau, une maison, une main. Deux solutions. Soit tu as un adulte avec toi,
tu fais ta première écriture et tu lui demandes de te dire si tu as écrit correctement ou pas les mots. Si tu n'as pas d'adulte à portée de main, eh bien, je vais te donner tout de suite, enfin non, tu vas d'abord aller écrire tes mots, aller chercher dans ta fiche et les réécrire encore une fois si jamais tu t'es trompé. Moi, je te donne la solution maintenant. Enfin, d'abord, fais pause, évidemment. Fais pause, fais ce que je viens de te dire et ensuite tu vas pouvoir passer à la suite de la vidéo pour voir la solution. Du chocolat. Le son A sonné A. Orange, le son A et le son N sonnaient en. Une lampe, il fallait faire bien attention à la règle du MBP. Tu as un P juste après, donc ton AN est devenu AM. Une chaussette, là, j'espère que tu as bien fait attention à mettre deux S, sinon ça fait chaussette. Parce qu'on sait que le S entre deux voyelles sonne z et non pas s. Un gâteau. Alors le A, il est coiffé d'un accent circonflexe ici dans gâteau. Il va falloir t'en souvenir. Et le son O s'écrit EAU. Un cadeau. Là, il n'y a pas d'accent circonflexe. Le A sonne A et le O s'écrit EAU. Une maison, c'est un E qui s'écrit AI. J'espère que tu ne m'as pas mis de Z pour faire le son Z, puisque ce n'est ici pas la peine, vu que entre deux voyelles, le I et le O, ici, le S, il va sonner Z. Et enfin, une main, le son 1 s'écrit AIN. Il n'y avait pas d'autres difficultés pour ce mot-là. Enfin, je te présente les mots de la dictée qu'il va falloir apprendre pour jeudi. Alors, ils n'ont pas de rapport avec les valeurs de la lettre A, même si c'était notre leçon du lundi, et le thème des exercices que nous venons de faire, puisque maintenant nos dictées vont être décalées par rapport au son que l'on revoit. Alors, ils ont tous un même thème. Ces mots de la dictée, ce sont les animaux sauvages. Je vais te les présenter. On va les lire ensemble. Les zèbres. Les zèbres. Alors, attention, c'est un des rares mots de la langue française où on a le Z pour faire le son Z. Donc, utilise bien le Z pour écrire zèbre. En plus, tu vois, juste après, on a un E accent grave pour faire le son E. Zèbre. Ensuite, le mot beaucoup. C'est un mot outil qu'il faut que tu saches par cœur. Il n'est pas évident parce que tu as le son O qui s'écrit EAU et à la fin, il ne faut pas oublier le P. Deux petits pièges donc pour ce mot. Fais bien attention. Ensuite, un hippopotame. Ouh là là. Alors, attention à ne pas oublier pour commencer le H au début du mot. Hippopotame, il y a d'abord deux P, puis un seul P. Donc un H et trois P pour un hippopotame. Voilà, fais jouer ta mémoire pour ne pas l'oublier. Ensuite, il y a la brousse. La brousse, c'est l'endroit où habitent les animaux sauvages d'Afrique. C'est un mélange d'herbes, de terre sèche et d'herbes dans lesquelles les prédateurs peuvent se cacher, la brousse. Tu ne devras pas oublier les deux S. Si tu n'en mets qu'un, ça fera le son Z, parce que tu as une voyelle ici, le U, et une voyelle là. Entre deux voyelles, le son S sonne Z. Donc n'oublie pas deux S à brousse. Ensuite, les prédateurs. Tu n'oublieras pas le S, puisqu'il y a plusieurs prédateurs. On est au pluriel, on le voit avec le déterminant qui nous dit qu'il y a des prédateurs. Le son E s'écrit un E et un U. Prédateur. C'est tout pour ce mot-là. Un éléphant. Éléphant. On l'a déjà appris ce mot quand on avait travaillé sur le son F qui s'écrit avec un P et un H ici.
éléphant. Tu n'oublieras pas non plus le T à la fin. Si tu veux t'en souvenir, souviens-toi que le petit de l'éléphant, c'est l'éléphant to. On entend le T qui est muet dans éléphant, mais qui doit quand même être présent. Et le voilà, notre petit de l'éléphant, un éléphanto. Les petits des animaux, quand on rajoute to, ce sera toujours le son, les lettres E, A, U qui serviront à faire le son O. Sinon, pour le reste, pas de piège. Si tu sais écrire éléphant, tu as juste à rajouter O à la fin, E, A, U. Un lion. Pas de piège dans lion. Il n'y a pas de lettre muette. Tout s'entend. L, I, on. Le petit du lion, c'est le lionceau. Le S s'écrit avec un C, ici. Et je te disais tout à l'heure que les petits des animaux ont rajouté à la fin E-A-U pour faire le son O. Un éléphant, un éléphanteau, un lion, un lionceau. Le dernier mot, c'est le verbe protéger. Le son J s'écrit avec un G. C'est le seul piège qu'il y a dans ce mot. Voilà. Je vais effacer mes marques puisque si tu n'as pas la petite liste des mots de la dictée, tu vas devoir la recopier. C'est un très bon exercice de faire une première copie de ces mots-là dans ton cahier de brouillon. Donc, je te laisse copier si tu en as besoin. Fais pause. En attendant, je te dis à jeudi, tu devras avoir appris les mots de la dictée puisqu'il y aura une première petite dictée, comme toutes les semaines. Je te souhaite une bonne fin de mardi, bon mercredi, demain il n'y aura pas de vidéo, on se retrouve jeudi. Au revoir.